membre du journal La Mémoire Politique, remercie M. l'ambassadeur de la Pologne, M. Witold Spiridowicz, pour l'occasion qu'il nous a donnée et la chance pour être parmi vous ici. Et nous vous remercions infiniment pour les grands efforts que vous fournissez de la part pour la diplomatie entre le Maroc et la Pologne. Les relations entre le Maroc et la Pologne ont commencé il y a 220 années. Voilà. Avec, ouais. Avec les voyages. Le livre de Jean Potocki. C'est ça. Oui. Mais les relations diplomatiques entre la Pologne et le Maroc officiellement ont été établies en 1959. C'est ça, donc oui. On célèbre 55 années de relations. Mais on célèbre cette année 55 années de relations diplomatiques. Exactement. Le Maroc et la Pologne ont signé un accord culturel, scientifique et technique en 2005. En 2009, les deux pays ont établi une rencontre intergouvernementale présidée par les premiers ministres. En janvier 2010, le premier ministre marocain Abdes Fassi a effectué une visite en Pologne accompagnée par une délégation ministérielle et des hommes d'affaires marocains. Sur le côté politique, les coopérations sont très dynamiques entre les deux pays, qui se sont déterminés de renforcer leurs relations. Et on note la même chose pour le côté économique et financier. Pour améliorer le tourisme, en 2010, il a vu la mise en place d'une ligne aérienne directe entre Vorlov-Agadir. Et des vols charter entre Essaouira et Varsovie. Est-ce que je peux corriger un peu des informations? Oui, oui. Donc, en ce qui concerne la visite du Premier ministre en 2010, oui. Effectivement, il était deux fois en 2010. La première fois, c'était la visite politique. Oui. Deuxième fois, au mois d'avril, après la catastrophe tragique de l'avion présidentiel polonais. Oui. Il est participé dans la cérémonie d'enterrement de la présidente de la République et il était parmi seulement quelques dirigeants parce que c'était à l'époque c'était l'explosion des volcans. Oui. En Islande. Et oui. Le trafic aérien était très bouleversé, donc c'était, oui, vraiment un acte courageux de la part du premier ministre marocain d'effectuer ce voyage. Et on est très, vraiment très reconnaissant parce que c'était pas facile. Oui, c'est très normal dans ces moments tragiques. Oui, voilà. En ce qui concerne les vols aériens, donc il existait jusqu'à 2011 la ligne directe Varsovie-Casa, assurée par l'ARAM. Mais la ligne était suspendue, c'était le vol régulier. Et maintenant, il y a des charters, mais pas à Essaouira, c'est de Varsava, de Wrocław, de Katowice à Agadir. Agadir, oui. Et le nombre de touristes cette année dépasse déjà 50 000. Oui, j'ai déjà vu à Agadir avec le Neckermann et... Avec Neckermann, avec Tui, avec Tui. Itaka. Oui. Oui. Donc, ils ont maintenant ils ont quelques hôtels et le nombre dépasse 50 000 touristes par année. Oui, à cause du climat, parce que le climat, c'est... C'est le climat, mais c'est aussi... Ce sont les effets de la... disons, révolution arabe ou printemps arabe, parce qu'avant c'était l'Égypte surtout, oui, qui attirait les touristes, après les turbulences, la Tunisie. Après les turbulences, oui, les touristes se dirigeaient vers les pays un peu plus stables. Hein? Oui, c'est très normal, oui. On continue, le Maroc importe des produits laitiers de la Pologne, le soufre brut, les machines, les chaudières,
l'aluminium, les tracteurs pour l'agriculture et le matériel électrique. Oui, c'est tout à fait vrai. En ce qui concerne nos importations, c'est surtout les phosphates. Oui, le phosphate, les agrumes, c'est ça. Certains légumes et les conserves. C'est ça. Oui. Alors, on commence par la première question. Monsieur l'ambassadeur, premièrement, êtes-vous satisfait de votre séjour au Maroc? Je suis très content de mon séjour au Maroc, des points de vue personnels et aussi des points de vue de mon service public, parce que les relations sont très stables et très prometteantes. Cette année encore, on attend la visite du président du Sénat polonais. C'était la révisite pour la visite de M. Diabilak, le président du Sénat marocain, qui a eu lieu en janvier cette année. Et probablement, le président du Sénat sera accompagné par un groupe des hommes d'affaires polonais d'environ 30 ou 40 personnes. Son Excellence, comment voyez-vous les relations actuelles entre nos deux pays, le Maroc et la Pologne? A-t-il des possibilités pour les renforcer? Bien sûr, il y a des possibilités de renforcer nos relations, parce que le Maroc joue un rôle important dans la région de l'Afrique du Nord grâce à réformes proposées par Sa Majesté. Les pays évitaient des problèmes comme les autres pays, les problèmes des printemps arabes qui n'apportaient pas la démocratie et les progrès, mais plutôt la situation d'instabilité. Donc, le Maroc évitait tous ces problèmes et il joue un rôle très important pour stabiliser la région. Et la même s'applique pour la Pologne, et qui est, disons, un leader régional, aussi confronté maintenant avec les événements qui se passent en Ukraine. La Pologne essaye de stabiliser la situation. Donc, il y a vraiment des perspectives pour la coopération politique. Mais aussi, les relations économiques ne sont pas tout à fait satisfaisantes, parce que, disons, notre volume de charges, c'est environ 400 millions d'euros pour cette année. Et il y a des perspectives pour élargir nos comptes, parce que vraiment, il y a des produits qui peuvent être exporté vers le Maroc. Il y a des produits qui peuvent être exportés du Maroc vers la Pologne. Donc, il faut vraiment attirer nos investisseurs, nos hommes d'affaires pour faire cette coopération plus étroite. Mais je dois dire que, quand même, le Maroc reste notre troisième partenaire sur le continent africain. Donc, c'est pas mal. Monsieur l'ambassadeur, parlez-nous un peu de votre rencontre avec le maire de Rabat, Fethullah Oulalo. Il y avait un accord pour la participation de certaines sociétés polonaises pour la modernisation de Rabat et le jumelage entre certaines villes. Voilà, donc on a parlé surtout sur la possibilité de partenariat dans ce mouvement de jumelage des villes, parce que jusqu'à maintenant, c'est Fès et Cracovie qui ont un partenariat, mais en ce qui concerne nos capitales, il n'y a pas de lien de coopération. Donc, on a décidé de stimuler les efforts après novembre 2014, parce qu'au mois de novembre, il y aura des élections municipales en Pologne. Donc après les élections, je vais, disons, initier cette
mes efforts pour attirer l'attention des nouveaux présidents de Varsovie pour éventuellement signer un accord de jumelage avec Rabat. En ce qui concerne les entreprises polonaises, ça concerne surtout les éclairages de la ville. Et parce que Rabat va moderniser les éclairages, donc il y a une société qui est très intéressée. D'ailleurs, cette société a déjà effectué quelques travaux à Oujda avec un succès à Marrakech, donc pourquoi pas Rabat. Quel est selon vous le rôle des phosphates marocains dans la sécurité alimentaire mondiale? Le rôle des phosphates marocains dans la... Oui, comme vous savez, le phosphate est très important pour la production alimentaire. C'est le composant pour fertilisant, n'est-ce pas? Pas seulement le phosphate, mais en général, la production alimentaire marocaine est très importante pour le continent. J'ai eu l'occasion de visiter, par exemple, c'est le Sénégal, la Mauritanie, la Gambie. Je trouve partout dans ce pays les produits alimentaires provenant du Maroc. Des produits laitiers, mais aussi des légumes, des fruits. Des agrumes. La présence marocaine, la présence du secteur de l'agriculture est visible sur le continent. Monsieur John Potocki avait publié un livre sur son voyage depuis de 120 années auparavant. Le livre maintenant est traduit en arabe et se trouve actuellement à la bibliothèque, je crois, de Tétouan. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce Jean Potocki et sur son livre, en bref? Donc, d'abord, le livre était publié en 1792, donc effectivement, il y a 224 ans à Varsovie, et le voyage était effectué il y a une année auparavant, donc 1791. Et on considère Potocki, parce que c'est la prononciation polonaise, comme le premier ambassadeur de la Pologne, parce que selon les historiens, il a eu une lettre du roi de Pologne adressée à Sultan. À Sultan pour établir les relations diplomatiques. Donc c'est la version des historiens. De toute façon, il a écrit ce livre qui est un livre fascinant parce que c'est l'image de traditions, de mentalités, de coutumes, de religions, de tout, des Marocains à l'époque, n'est-ce pas? Donc le livre était disponible en langue française, mais on a considéré que pour, disons, trouver plus de lecteurs arabophones pour mon pays, on a décidé de financer la traduction du livre en arabe. Et encore cette année, au mois de décembre, il y aura la cérémonie dans les archives nationales du Maroc d'installer une plaque commémorative à l'occasion de la publication de ce livre à Varsovie. Son Excellence, comment pourriez-vous commander l'évolution des réformes sociales, politiques et économiques au Maroc? Je dois dire que moi personnellement, je suis très impressionné par le courage et l'efficacité de Sa Majesté dans son projet de la nouvelle constitution, des référendums qui a permis d'accepter la constitution par la majorité visible et d'organisation vraiment des élections démocratiques et qui ont en effet produit un gouvernement stable dans le pays. Donc la route choisie par le Maroc, c'est quelque chose d'exceptionnel dans la région et c'est un bon exemple pour tous les pays qui veulent démocratiser leur système
en voie d'évolution et pas en voie de révolution. Et au niveau d'investissement? Au niveau d'investissement, comme vous savez, le Maroc reste toujours un lieu très attirant pour les investisseurs étrangers. Malgré la crise qui affectait la zone euro, le niveau d'investissement reste stable et assez élevé. D'ailleurs, selon les agences de notation, le Maroc possède toujours la position stable, avec une bonne perspective. Monsieur l'ambassadeur, retournons un peu vers l'Europe. Comment voyez-vous l'avenir de, comment voyez-vous l'intégration de la Pologne au sein de l'Union européenne? Le processus est commencé en 2004 avec notre adhésion. C'est progrès. Et d'ailleurs, les meilleurs résultats, c'est disons d'appréciation de ce processus, c'est l'élection de notre ancien premier ministre au poste du président du Conseil européen. Il va remplacer à partir du 1er décembre M. Van Rompuy. C'est voilà, c'est ce monsieur qui sera le président européen bientôt. Donc le processus est très positif et les Polonais sont satisfaits d'adhésion à l'Union européenne. Malgré, disons, une certaine crise économique, on voit l'avenir très positivement. Après l'arrivée de l'euro, même beaucoup de pays européens se plaignent de l'euro. Donc on a décidé de rester dehors la zone d'euro pour l'instant. On a notre monnaie nationale. Ça nous permet d'un peu jouer avec des mécanismes économiques. Et à mon avis personnel, ça nous permettait d'éviter la crise qui a touché. Parce que notre économie n'est pas tellement développée comme l'économie allemande ou britannique, n'est-ce pas? Et les pays un peu plus faibles qui ont accepté l'euro étaient vraiment touchés. Regardez la Grèce, par exemple. La Grèce, oui, ouais. Exactement. Comment voyez-vous les relations actuelles entre la Pologne et la Russie? C'est une question difficile parce que il y a eu la volonté de Pologne d'ouvrir un nouveau chapitre de nos relations après des expériences négatives du passé. Mais la crise ukrainienne a un peu gelé nos efforts. Nous ne sommes pas d'accord avec la politique de Moscou, mais surtout l'annexation de la péninsule de Crimée n'était pas acceptable pour nous. Donc, les relations restent difficiles et je dois dire que l'embargo russe imposé sur les produits agroalimentaires a touché aussi les secteurs agroalimentaires en Pologne, surtout la production des pommes. Parce que la Pologne est le plus grand producteur de pommes en Europe. Et les marchés russes étaient toujours les marchés qui absorbaient beaucoup de fruits polonais. Maintenant, la situation est un peu difficile. Mais j'ai toujours espoir pour l'avenir. Est-ce qu'il n'y a pas encore un problème de gaz entre la Russie et la Pologne? Non. Les problèmes de gaz concernent surtout l'Ukraine, n'est-ce pas? Mais le gazoduc doit traverser l'Ukraine pour arriver en Pologne. Donc, si les Russes, disons, décident de fermer les livraisons pour l'Ukraine, ça peut aussi produire des effets négatifs pour nous. Monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'on peut considérer la chute du mur de Berlin
était le début de l'évolution de l'Europe de l'Est. Et nous considérons que c'était un peu plus tard, parce que la chute du mur de Berlin, c'était 1090, tandis que les premiers gouvernements non communistes à l'Europe de l'Est, c'était en Pologne, et c'était juin 89. Alors, d'après nous, c'est en Pologne qu'on a commencé cette, dynamique qui a permis de se libérer au pays de l'Europe de centrale, l'Europe orientale, n'est-ce pas? Donc, pour nous, la chute des murs, c'est l'effet des processus commencés en Pologne il y a quelques mois avant, avec les premières élections libres au mois de juin 1989. Comment estimez-vous le rôle de l'Union européenne dans le conflit palestinien? Le rôle de l'Union européenne, vous savez, c'est comme vous savez bien, le conflit palestinien est un conflit très difficile. Et personnellement, je vois difficilement la solution proche, n'est-ce pas? Parce que il y a des conflits d'intérêts. Mais en ce qui concerne l'Union européenne, on doit dire qu'on qu'on essaye quand même de stimuler le processus de négociations entre les deux parties. Mais disons, dans la situation actuelle, je ne vois pas vraiment de perspectives réelles pour un tel dialogue, n'est-ce pas? Peut-être il faut, on peut changer les générations de politiciens, peut-être il faut des politiciens nouveaux avec le courage, avec la volonté ferme, parce que en état actuel, je ne vois pas vraiment des partenaires pour un dialogue. Monsieur l'ambassadeur, quel rôle joue la Pologne dans l'OTAN? Dans l'OTAN, en situation actuelle, l'OTAN doit vraiment augmenter ses efforts pour stabiliser la situation, pour stabiliser la situation mondiale. Et la Pologne dépense, par rapport aux autres pays, beaucoup pour notre défense. Et maintenant, on va encore augmenter nos dépenses vu la situation actuelle en Europe, parce qu'on a un peu oublié, disons, la menace maintenant avec la situation en Ukraine, avec la situation de l'État islamique. C'est nécessaire de penser plus sur la sécurité et sur les dépenses au secteur militaire, même si ce n'est pas populaire dans la société, parce que tout le monde veut vivre dans la paix, n'est-ce pas? Il veut dépenser plus pour l'infrastructure civile et pas pour l'armée nécessairement, mais c'est nécessaire malgré notre volonté, de dépenser plus pour la défense nationale. Et la Pologne restera, disons, un pays, disons, sur la ligne de confrontation. Donc, pour cela,
nous sommes conscients qu'il faut vraiment élargir nos dépenses dans ces communautés nationales. Monsieur l'ambassadeur, tu es jeune et tu es bien. Tu veux donner un peu de temps. La première question, on va parler un peu de sport. La Pologne est bonne équipe. Dans quel domaine du sport? Sport, football. Ah, football. Oui, bien sûr. Plusieurs fois, à la Coupe du Monde, la Pologne est arrivée à demi-finale comme ça. Mais il n'est jamais rapporté. Il y a des bons joueurs comme Rago et Corbonier. Pourquoi il n'est jamais porté la Coupe du Monde? Donc, c'est vrai que. À l'époque, on a eu une très bonne équipe. Et des fois, justement, comme vous avez remarqué, on était troisième au monde, n'est-ce pas? C'était 1974, d'abord en Allemagne. En 1982 en Espagne, avec Bonic à l'époque. Mais après la chute du communisme, malheureusement, l'équipe polonaise a perdu son efficacité. Pas parce que avant c'était comme ça. Que les joueurs voulaient jouer bien pour l'équipe nationale. Après, ils ont eu le droit de jouer à l'étranger. Maintenant, tous les joueurs peuvent jouer à l'étranger tout de suite, n'est-ce pas? Alors, il ne faut pas des efforts pour être rémunéré bien. Donc, c'est ce mécanisme. On a eu cette expérience avec un entraîneur hollandais, comme vous d'ailleurs avec Gerrit, le Belge. Cet entraîneur hollandais, ce n'était pas non plus un grand succès. Mais cette année, on a eu un espoir. C'est comme vous, avec les Lions d'Atlas, vous avez toujours des espoirs. Mais on a quand même gagné contre l'Allemagne. Dans les éliminations de Euro 2016, on a gagné contre l'Allemagne. 2-0, donc. 2-0, oui. Donc ça nous donnait vraiment un encouragement. Nous gagnons le champion du monde. Voilà, mais est-ce qu'il y aura une équipe comme il y a 30 ou 40 ans, je ne sais pas moi. Monsieur le Président, est-ce que la Pologne occupe un poste stratégique dans l'Union européenne? Une quoi? Je parle. L'Union européenne. Mais qu'est-ce que... Stratégique. Oui, la position... Un poste stratégique dans l'Union européenne. Comme j'ai déjà dit, notre localisation géographique nous place sur la frontière avec la Russie. Pour cela, on peut dire que c'est la position stratégique parce que ça divise des mondes, des zones d'intérêt, n'est-ce pas? Donc, dans certains sens, oui, je suis d'accord. On a eu une position stratégique. Est-ce que tu peux parler de la femme polonaise? Des femmes polonaises? Oui, vous savez. La démocratie, est-ce que. La femme. Voilà, vous avez ici un exemple.
c'est la femme polonaise qui est maintenant le premier ministre du pays. Donc ça dit beaucoup. Donc la position des femmes est assez privilégiée, je dirais. Comment voit-on dans votre pays la presse? La presse est totalement libre, il n'y a pas de censure, donc on peut imprimer n'importe quoi. Et parfois c'est dangereux, parce que la liberté totale, vous savez, c'est aussi parfois dangereux. Censure, on a l'anarchie. Oui. Voilà. Que pensez la Pologne de la guerre entre les pays? De la guerre entre les pays d'Europe. Oui, ben, écoutez, on a eu beaucoup d'espoir pour le printemps arabe. On a pensé que ça va évoluer dans la direction démocratique. Malheureusement, les chutes des dictateurs, par conséquence, a eu des effets aussi négatifs, comme le chaos, comme, disons, la destruction de l'économie, la destruction du tourisme, comme en cas de l'Égypte. Donc, le bilan n'est pas positif, je dois dire. Et moi, personnellement, je parle plutôt de l'hiver arabe, pas de printemps arabe. Mm-hmm. Ce que pensez-vous, monsieur l'ambassadeur, du voyage? Bah, c'est vraiment un phénomène très dangereux. Je suis personnellement très surpris que les analytiques, les observateurs ne pouvaient pas constater la naissance de ces mouvements. Parce que quand même, ça durait, n'est-ce pas, un certain temps pour un tel organisme tellement dangereux. Donc maintenant tout le monde est surpris, mais où sont les analytiques, les observateurs de la situation, les militaires? Pour moi, c'est une grande déception en ce qui concerne les capacités des mondes occidentaux d'analyser la situation. Et qui est derrière cette guerre? Qui est derrière ce groupe? Le groupe comme Daesh, comme beaucoup de... Qui est derrière cette guerre? Bah, voilà. Si je savais cela, qui est, il y a, vous voyez, il y a toujours les intérêts des pays différents. Les coulisses restent obscures pour moi. On parle des anciens militants de l'armée de Saddam. On parle des effectifs d'Al-Qaïda. Mais qui sont les vrais acteurs? C'est difficile de dire. Mais tu crois le vendeur des armes? Ah, bien sûr. Les intérêts, oui. Bien sûr, oui. Nous sommes contre ce qui arrivait à la forum pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, nous sommes heureux que la Pologne soit une puissance économique à votre effort. Oui, et la question c'est? Je te dis, nous sommes. Vous êtes contents? Contre ceux qui ont arrivé à la Pologne pendant la Deuxième Guerre mondiale, ok. Mais aujourd'hui, nous sommes heureux que la Pologne soit une puissance économique à votre faute. Comme vous qui. La Pologne, comme vous qui n'avez mis ce drapeau à la Pologne. Oui, merci pour les mots très gentils. Mais vous voyez, nous avons encore une cheminée à faire pour être
une grande puissance économique, n'est-ce pas? Mais il faut vraiment travailler, comme d'ailleurs fait votre pays, le Maroc. Je suis ici 4 ans et je constate vraiment les progrès. La ville se développe, le pays se développe, et c'est vraiment quelque chose d'optimistique qu'un pays africain avec un gouvernement sage peut évoluer comme ça. Pour ne pas être long, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup pour votre visite. Pour nous avoir accueillis et de nous accorder de votre temps. Et à la prochaine avec le jour Inch'Allah. De la mémoire. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.